La Turquie et le terrorisme, deux sujets qui ont été largement évoqués lundi à Bruxelles lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Cette journée marquait aussi les premiers pas de Boris Johnson en tant que nouveau chef de la diplomatie britannique. La matinée a commencé tôt pour les ministres étrangères. Ils sont d'ailleurs immédiatement entrés dans le vif du sujet. Ils ont appelé la Turquie à maintenir l'état de droit à la suite du coup d'état manqué du week-end dernier, tout en martelant qu'un éventuel retour à la peine de mort ne sera pas toléré par l'Europe. Cela n'est pas une excuse pour écarter le pays des droits fondamentaux et de l'état de droit. Nous serons extrêmement vigilants sur ce point, pas seulement pour le bien de l'Union européenne ou des négociations, mais également pour celui de la Turquie elle-même et pour la population turque. Présent lors des réunions, le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, a également insisté sur le fait que la Turquie devait apporter des preuves en utilisant les moyens officiels si elle souhaitait que Washington extrade l'homme publiquement d'avoir fomenté la rébellion. Cet homme n'est autre que Fethullah Gulen, imam et intellectuel turc actuellement en exil dans l'État de Pennsylvanie. Nous n'avons reçu aucune demande d'extradition particulière. Et cela bien que l'autre jour, dans une allocution publique, le président Erdogan a appelé les États-Unis à le renvoyer en Turquie. Les ministres européens ont également abordé les mesures antiterroristes après avoir respecté une minute de silence en mémoire des victimes de l'attaque de Nice en France jeudi dernier. Après avoir mené la campagne pour le Brexit, Boris Johnson, à l'occasion de sa première visite à Bruxelles en tant que ministre britannique des Affaires étrangères, a rappelé que le Royaume continuerait à pleinement coopérer avec l'Union européenne. Nous devons appliquer la volonté du peuple et la Grande-Bretagne doit appliquer le Brexit. Mais cela ne signifie certainement pas la fin de l'engagement et de la participation britannique en Europe et le soutien auprès de diverses aventures européennes. Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne n'ont pas manqué d'évoquer les relations avec la Chine. Beijing et Bruxelles sont en désaccord au sujet des exportations d'acier chinois. Une proposition consisterait à baisser les droits de douane payés par Beijing tout en accordant à la Chine le statut d'économie de marché en Europe. Cette question devrait être largement discutée ici même et jusqu'à la fin de l'année.